fait 4 jours qu'on est au Puy du Fou, qu'on vit une expérience mais complètement dingue. L'idée, c'était vraiment de faire voyager les artistes dans le temps, dans une période, dans une époque qui vraiment les ont fait rêver pendant leur adolescence, leur jeunesse ou même bien plus tard. Et en fait, le lieu idéal pour ça, c'est le Puy du Fou. Il y a tous les décors qu'on veut pour faire rêver tous ces artistes qui font partie de cette émission pour M6. Alors moi, j'étais extrêmement séduit par les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant ces 4 jours. Que ce soit les danseurs, les comédiens, les acrobates, ceux qui montent à cheval, ceux qui combattent, tout l'artistique en fait, ils avaient envie. Je pense qu'ils se sont donnés à 3000%. Tout le monde était au taquet et tout le monde avait envie que ces 4 jours soient une expérience unique pour tous. On avait tous envie de ça et je crois qu'on a réussi.